gami en forme de croix pour le baptême de son filleul. Mais avant... Générique. Origami en forme de croix pour le baptême de son filleul, nous avons besoin d'une paire de ciseaux. Merci José. De quelque chose pour tracer. Oh! D'un crayon de bois. Oula! Voilà, merci José. Et enfin, le plus important, me dirais-vous, et je vous dirai, une feuille blanche. Oh! Blanche, José. Blanche. Merci, José. Une feuille de papier de couleur blanche. Parce que le blanc, c'est la couleur de la foi, de la pureté, de la fidélité, de la vie, de la joie. Première étape. Prendre l'objet que nous utilisons pour tracer le trait. Et puis, notre crayon de bois. Tenez, José. Tracer les contours de la croix. Cela ne prendra que quelques instants. Un peu de patience. Bien! À présent, prenez votre paire de ciseaux pour découper dans la feuille de papier de couleur blanche votre futur origami. La tâche semble facile comme ça. Un origami, une minute, bon. Mais quand il s'agit de réaliser la décoration pour toute une tablée, pour un baptême complet, n'est-ce pas? Dirons-nous 100 personnes, bien que 100 personnes ce soit très peu pour un baptême. Il faudrait alors se munir de 100 feuilles blanches cartonnées, de préférence pour que l'origami tienne toute la journée et que les enfants qui aimeraient s'amuser avec les frères et sœurs du filleul en question puissent jouer sans le plier, sans l'abîmer. Pour nos aïeuls, s'il vous plaît, choisissez un papier de qualité qui puisse l'emporter à la maison, l'encadrer, le montrer au repas de famille, je ne sais pas, à des amis. Bien! Cette petite activité, aussi distrayante soit-elle, est bien plus rapide à réaliser en famille. Encouragez ainsi votre entourage à vous aider dans cette tâche. José, je vous propose à présent de montrer comment réaliser un origami en forme de croix pour le baptême de votre filleule à votre proche. Je vais vous montrer avec José. Alors, José, lamine. Fermez votre trait en bas pour que la croix ait un socle. Oui, José. Eh bien, faites le haut de votre croix. Il s'agit d'un grand rectangle et d'un petit rectangle. Oh ! Oui ! Voilà, il vous suffit à présent de découper dans la feuille de papier canson, solide, votre dessin. Allons, José, du nerf. N'est-ce pas, ne vous tenez pas une seule personne, on risquerait d'avoir des surprises, à réaliser avec vous
ces magnifiques origamis en forme de croix pour le baptême de votre filleule. Ces petits origamis en forme de croix seront agrémentés parfaitement la tablée du baptême de votre filleule et les parents sauront apprécier votre savoir-faire, votre goût pour les choses simples, pour les choses essentielles, pour le chic and cheap. Voilà les petits toastings. Je vous souhaite un très bon baptême. Je vous dis à très 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 bientôt mes petits toastings pour de nouvelles astuces et tutos. À la vôtre, José. Merci José. Abonnez-vous. Oh José, j'ouvre les dragées. Hein? La fête est plus folle avec des dragées.